Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 14 me semble-t-il. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Et nous avons réussi tant bien que mal à rentrer dans le repère du Coon parce qu'il a changé son mot de passe et j'ai essayé tellement de possibilités. Vous imaginez même pas à quel point t'es encore là. C'était chiant et je devais donc discuter au Coon pour en apprendre plus sur mes origines. Troduc, je voulais que tu saches qu'on a décidé de te laisser avoir ta propre série Netflix juste après la mini-série de Quickie sur la Fox et le troisième film du Coon et sa bande. Félicitations. Bon, allez, file terminer tes tâches. Je voulais juste t'annoncer la bonne nouvelle. Tu veux quoi, le nouveau? Je t'ai dit que tu pouvais choisir une seconde classe. La récré est terminée. Oh non, 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 et non, tu peux pas avoir trois classes. Le nouveau... Ne me fais pas ces yeux de chat battu, le nouveau. On n'a jamais vu personne cumuler trois classes à... Tu crois peut-être que tu as droit à la compassion du monde entier parce que ton père a sauté ta mère? Désolé, je voulais pas mettre ça sur le tapis. Bon, bon, d'accord. Si tu devais avoir une classe de plus, ce serait laquelle? Allez, on peut choisir une nouvelle classe. As du gadget. Bon, y a des classes qui sont débloquées. Assassin, As du gadget. Ça m'a l'air pas mal, assassin. Assassin, ça m'a l'air vraiment pas mal. Un assassin, un as péteur, ouais. Ouais, j'ai bien envie de prendre ça. J'ai bien envie de prendre assassin. On va prendre cette classe. Ok, mais du coup, il va falloir revoir tes origines. C'est ballot. Reprenons depuis le début. À l'époque où tu étais encore enfant. Cette nuit-là, tu n'arrives pas à dormir, car tu vois d'étranges lumières traverser le ciel. Tu t'approches du miroir. Allez, on est reparti, les amis, sur les origines. Et dans ce miroir, tu vois un enfant qui n'est peut-être pas de ce monde, et c'est là que tu l'entends. D'étranges sons extraterrestres en provenance du couloir. D'accord, des aliens, carrément. Tu aperçois deux intrus et un extraterrestre chez toi. Tu dois les arrêter, alors tu fais appel à tes nouveaux pouvoirs. En vrai héros assassin, tu aiguises tes lames et tu te prépares à faire ce que tu fais le mieux, tu es. Sans perdre de temps, tu fais couler le premier sang en portant une attaque sur l'intrus le plus proche. Ah, ça inflige saignement et ça a l'air de mettre pas mal de damage. Ça m'a l'air plutôt cool. Mais je pense que je serais pas prêt de me débarrasser aveuglé de par mon son combustion. Sang, la cible appelle ses amis à l'aide. Hé, hey, ce gamin a un couteau. Oh merde, sérieusement? L'intrus perd tout son sang, il te balance quand même un coup de pied de biche au visage. Ok, aucun souci hein les gars. Tu dois quitter la partie et te réfugier dans l'ombre. Ok. Comment je peux faire? Comme ça? Tu retournes dans l'ombre, d'accord? Ok, je dois aller ici. Et ensuite, je dois faire ça. Sur lui, très bien. Oh! Ça, c'est bon, ça. Pourquoi? Ça me donne invisible. Il est passé où? Comme ça, je suis sûr de pas pouvoir me faire toucher. Ça, c'est cool. Perplexe, les malfaiteurs cherchent à retrouver ta trace. J'ai un mauvais pressentiment. Tu te mets discrètement en place pour porter l'attaque suivante. Oh là là. Et ça met saignement, non, vous déconnez. C'est énorme, ça. La taillade tourmaillante envoie des couteaux dans toutes les directions. Ah, oh, c'est tellement mieux que les aimants, c'est tellement stylé. Ça, c'est pour mon copain l'intrus. Ok, je vais prendre un petit coup de pied de biche, les gars, mais c'est rien. Quoi? Mortellement blessé, le dernier ennemi fonce sur toi, déterminé à t'éliminer. Ok, ultime prêt. Il est temps de voir un petit peu ce que ça a donné. C'est le nouvel ulti. Lui ou toi. C'est parti. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé, car tu es retourné dans l'ombre. Ce gamin est une espèce de super assassin. Ah, c'est bien stylé. L'extraterrestre te prend par la main et t'emmène dans une pièce obscure. Et c'est alors que tu vois que ton père vient juste de baiser ta mère. Wow, putain, c'est révoltant le nouveau. Je suis mal pour toi. Est-ce que les extraterrestres t'aidaient en te montrant qui avait baisé ta mère ou essayaient-ils de t'emplir de rage? Tu ne le sauras peut-être jamais. Bon, retourne là-bas, Troduc. T'as encore un tas de trucs à faire. Allez, ça c'est fait, Origine 3.
Eh, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Alors déjà, on va commencer par changer de costume étant donné que je suis un assassin. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un assassin des USA. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va mettre ça avec, bien évidemment, tout l'uniforme qui va bien. Et, oh, bah attendez, c'est un petit peu terrible. Voilà, on va mettre des gants rouges. Et lunettes, pas besoin finalement. Pas besoin. Très bien. Ça, c'est fait. Et maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va tout simplement aller dans pouvoir. Et puis, on va négocier ses pouvoirs. On va changer quelques-uns des pouvoirs. Celui-là, pas méga fan. Pas méga fan. Ok, ça me paraît cool. Et celui-là, on va mettre celui-ci. J'ai l'air très très bien équilibré. J'ai, je pense, trouvé un très bon équilibre dans mes pouvoirs. Bon, ça les gars, c'est fait. On remonte et on a une mission qui nous attend. C'est tout simplement bah, déjà quitter. Quitter chez Cartman pour qu'il puisse me donner la suite de nos aventures. De nouveau, ici Quickie. Va au terrain de jeu. Un des potes de la liberté nous a appelés. Ah, c'est là qu'on va découvrir notre nouvel ami, souvenez-vous, qui va pouvoir nous offrir un tout nouveau pouvoir, les potes de la liberté. Alors si on a des combats, évidemment, on va les faire, mais grâce à ce nouveau pouvoir, on va pouvoir récupérer des choses en hauteur et abîmer des circuits. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, étant donné que forcément, je découvre le jeu en même temps que vous, je vous le rappelle, c'est un let's play, hein. Vous l'aurez compris. Oh, c'est la première fois qu'on vient par ici. Non ? Oh, je peux faire un selfie avec lui ? Avec Ike, faisons un meilleur. Sérieux ? Youpi ! Ok. Fillmore. Ouais, de toute façon, plus rien m'étonne de nos jours, hein, les gars. Tout le monde Youpi, a des téléphones. Ça, ça me choque un peu. Je vais être honnête avec vous, les gars. Je sais pas de quelle génération vous êtes. Mais moi, ça me permet de parler, comme je vous dis, les let's play avec vous, de discuter un peu de tout et rien. Moi, ça me choque un peu tout ça. Hein. Je sais pas vous, mais je trouve ça. Les gamins de 8 ans qui ont des iPhones ou des trucs comme ça. Je trouve ça assez dingue. Je trouve ça assez dingue. Après, voilà, moi, à mon époque, les gars, j'avais 8 ans, les téléphones portables, cousin, c'était un sac à dos que tu mettais sur le dos. C'était assez terrible. Ah, on a quelque chose à récupérer là-haut. C'est pas mal, ça, autant le récupérer, vous en pensez quoi? Ça coûte rien, ça ne coûte pas plus cher. Attends, faut que j'aille où? J'ai pas tout pigé, là, les gars. J'ai pas tout pigé, attendez. Ah, faut que j'aille là-haut, déjà, ok, très bien. Mais voilà, c'est... Moi, ça me choque un petit peu, moi. Mais bon, après, comme on dit, chacun sa génération. Ça a l'air d'être tout à fait normal. Je vais pas faire le choquer. Si ça se trouve, quand j'aurai des gosses, je leur donnerai un téléphone. À l'âge de 2 ans. Costume double maintenant. Super. J'espère pas, mais bon, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, tenue majesté plus corps de majesté. Mais c'est génial. On a récupéré énormément de choses dans cet arbre. On est parti. Va savoir ce que cette tenue faisait là-haut. On a réussi, il nous va. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais bon, après, moi, c'est vrai qu'on n'avait pas de téléphone, mais bon, moi, c'était génération B. On aurait besoin de plus de super-héroïnes à South Park. T'es sûr qu'un des potes de la liberté veut nous rencontrer? Dans son texto, il disait que c'était très urgent. Ouais, mais pourquoi les potes de la liberté veulent nous parler? À moins que ce soit une sorte de piège. Du calme, les gars. Je suis pas venu pour me battre. Salut, boîte à outils. Ça faisait longtemps. Boîte à outils est un archétype visionnaire de classe As du gadget. Et un sale bâtard de traître. Bon, écoutez-moi. Je sais que le nouveau a aidé à s'emparer des clés de mon père hier soir. Le nouveau, je sais pas pourquoi tu cherchais mon père, mais je te dois un service. C'est ce que je suis venu te dire. Tu es peut-être dans la mauvaise franchise, mais si un jour tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Oh, tu crois que le nouveau en a quelque chose à foutre de toi? Tu fais partie d'une franchise qui ne rapporte rien et dirigée par un connard en fauteuil roulant. Au moins, lui, c'est pas un putain de voleur de téléphone. Oh non, pas lui. Timmy! Vous nous traitez de loser alors que pour trouver une piste, vous devez la voler? Où est le téléphone du professeur Timothy? Désolé, mais cette info est classée secret défense. Vous devez arrêter d'enquêter sur la chambre du commerce et laisser ça aux super-héros professionnels. Ah ouais, parce que vous êtes des super-héros professionnels? Je te ferai dire, Mysterion, qu'on a déjà un contact chez Netflix. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On est sur le point de faire décoller la série Netflix d'hommes cerfs-volants, alors... Non, Timmy, non, non, arrête ça. Arrête, arrête, Timmy. Il essaie de me violer le cerveau. Ils n'ont pas de contact chez Netflix. Les potes de la liberté m'ont violé le cerveau, les mecs. Faut choper ces pédophiles. Coulez sa bande, rassemblement. Potes de la liberté, ranimons. Guerre civile 2, ça va chauffer. Alors, je le précise quand même, mais je pense que vous le savez. En tout cas, je l'espère pour vous, hein.
au bout de 14 épisodes quand même, vous aurez bien compris que c'est un jeu de rôle qu'ils font, d'accord, hein. Ils ont pas de pouvoir, ils s'imaginent tout ça, les pouvoirs, etc. Abandonnez avant d'être humilié. Ok, c'est parti. Bon, j'ai des nouveaux pouvoirs, ça c'est plutôt cool. Rien à faire pour l'instant, si je peux toucher ou pas. Non, je peux pas toucher. Éclate-les, trou de cul. On va avancer calmement. Pourquoi je vois pas ce qu'il y a là-haut, là? Pourquoi je peux pas voir? Non, on peut pas. Ça te dirait un sandwich au tournevis, cool. Oh. What? Ah. Chaque outil a son rôle dans la lutte pour la liberté. Je vois même pas les dégâts qu'il m'inflige, mec. Oh, c'est terrible. Ok. Timmy, Timmy. C'est que ces conneries. On va attraper la bande du raccoon. Combattre le docteur Timothy. Attendez. Une erreur qui dépasse ton entendement. J'aurais peut-être dû faire marche arrière. Micro-agression, ça c'est cadeau. Allez, ça dégage. Ok. Ça va. Comme toujours, Mysterion. Timmy. Bon. Ça risque d'être assez terrible. Lui, on va s'en occuper très rapidement. Mais d'un coup de poing. Hop, Mysterion, ça dégage. Il prend ce qu'il mérite. Voici Tupperware. Ok. Bon. Tu es plein de surprises, Tupperware. Peut-être aussi de miettes de thon. Non. Bon, allez, Mysterion, on va se débarrasser de lui. Au moins, ça s'est fait. Ça va piquer un peu. C'est pas bien grave. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que peuvent faire les gamins? Pas ce coup-là, enflure. Oh, les gamins dans l'histoire, ils vont être très très chiants. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît clairement pas mal, hein. Pas mal, le nouveau. Ça me paraît pas mal. Ça m'a pas mis invisible, par contre. Ça, c'est les outils dommage. Vont passer à l'action. Ok. Faut remonter le temps impérativement. Là, ça va être terrible, les gars. Je pense que je mérite. Capitaine, te réponds. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être ça, hein. Je vois que ça. Je vois que ça. Là, les gars, je sais pas si je vais la gagner, je pense pas. Regardez, les mecs, ça risque capitaine d'être très compliqué. Cool. Waouh. Ok, il se TP, c'est chiant. Regardez-moi, regardez-moi, je vais faire quelques sauts, regardez-moi. Ah, la vache. Ouais. Il m'a dégommé. Attaque Delta Gamma Vivipé. Laissez-moi. Ils sont malades. Kill un peu. Timmy. Oh putain, non. Ok, Captain Diabète est parmi eux. Oh, ça va être compliqué cette histoire. Pas de mal, mon gars. Ça va être très compliqué. Ça me plaît pas. Super la Craig que à ça la prend. Ok. Allez, ça me paraît pas mal. Ça, je crois que j'en touche deux. Yes. De ta tête. J'en ai touché un, mais j'ai fait une sorte de combo. Forcément. Il se TP où? D'accord. T'as pas vraiment bougé finalement. Ok. Manœuvre d'attaque initialisée. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, les gars, tout ce qui se passe. Très impressionnant. Ça va être très compliqué. Peut-être soigner. Ça, c'est pour sacripant, enfoiré. Peut-être soigner tout le monde. Ça me paraît pas mal. Place au trône. On va peut-être invoquer Moïse. Merci d'être resté planté là pour comme une salope pour une fois. Carrément, t'es sérieux, gros? Cogne quelqu'un pour okay. Le coon, Duc du trou. Ok. Non, ça a pas l'air intéressant. Il y en a qu'un qui va attaquer après, normalement on est pas mal. Allez, je vais réutiliser mon attaque. Le c'est un plus chaînement et pas mal de damage. Ah, il y a peut-être super, pas besoin d'invoquer Moïse, je sais pas. Mecs. Wow! Sert de ses outils comme un chirurgien. Non! C'est bon. Personne ne s'en tirera sans de sérieuses complications. C'est compliqué là, médicales. C'est compliqué les gars. Ils attaquent tous, je suis mort. Oh non pow, pow, pow. Bye bye. C'est terrible. L'ami. Ok. Je suis clair. Lui il va avoir saigné. Non, il a même pas saigné moi. Ça, c'était super. Faut que je puisse attaquer avec le coude, les gars. Sinon, ça risque d'être compliqué. C'est mon putain match. De tour, ouais. Ok, on va faire ça, hein. Ça me paraît cool. Laisse notre gros ami poussement, tranquille, toi. Ça me paraît pas mal. Là, ça va le tuer, il va mourir. Il va mourir avec le saignement.
Attention, j'arrive. Bon, il va mettre quand même quelques damage. C'est pas grave, on va invoquer Moïse, les amis. Réveille-toi, Super Craig. Essaie de suivre un peu. Ok, on va invoquer Moïse, les gars. Ouais, je pense que ça me paraît nécessaire. Ah, c'est dommage, je vais profiter du tour pour attaquer tout le monde. C'est parti. Quelle est cette sorcellerie juive? Oh putain, les pires. Pendant ce temps-là, dans le hall des meilleurs super potes. Les dettes seront effacées, les esclaves libérés. Moi. Allez, on est tous soignés. On n'est pas soignés à fond. Oh putain. Clou, voici ton marteau. Ok. Saigne-moi, il est mort là. Capitaine Diabète, il est de retour. Ah putain, ça l'a pas soigné. C'est terrible. Ce diabète est vraiment puissant. C'est terrible. Mais regardez, ils attaquent tous. Oh là là. Oh. T'as vu comment je suis courageux. J'ai perdu mes HP. Je peux rien faire, ce vœu est débile. Ok, il y en a un qui vient de tomber par le saignement. T'as fait pipi dans ta culotte. J'aurais dû faire marche arrière, les gars, sur ce sort. Fatale erreur. Ça va me coûter cher, les combats durent de plus en plus longtemps. Oh, toi, je vais te crever. Ok. C'est parti. C'est bon, je peux enfin attaquer. Ça me paraît pas mal, ça. Hein. Ça me paraît pas mal. Allez, on se débarrasse de lui. Voilà, ça au moins, c'est fait. C'est dommage, mon frérot est mort. Ça fait chier, là, quand même. Hein. Ça va piquer. Ok, on va utiliser mon ulti. Je touche tout le monde. Impeccable. Allez, vas-y. Bon, on a invoqué Moïse une fois, quand même. Ça fait quelque chose? J'ai pas vu que t'étais occupé à m'en foutre. Putain, Super Craig, un peu de respect envers tes collègues. Pourquoi faire? Ok. Oh là, il va toujours trop loin, lui. Un, deux, il va toujours trop loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, les mecs? On va faire ça, on va le traverser. Comme ça, on va pouvoir aller au bout de l'arène. Hey, vous avez vu ça? Je peux que l'avoir avec des attaques à distance, c'est assez terrible. Yeah. Oh. Ok. C'est comme par hasard le mec avec mes pets temporelles. Quoi? Ouais, on va jouer. À moi de jouer. Oh, c'est terrible. Tu es le fléau et je suis le cool. Ok. Vous savez quoi? On va raise. On d'abou, va en raise. On va terminé. En profiter pour raise. Autant utiliser les popos, les gars. Ouais, 20 HP, je vais prendre ce que je mérite là. Je pense que je suis mort. Non, c'est bon, on va pouvoir se soigner. Ah, il est terrible ce combat. Ok, c'est bon. Essaie de pas crever le nouveau. C'est bon, il y a Captain Diabète qui joue juste après, de toute façon. Ok. On va leur mettre des couteaux à ceux-là. Hey, espèce de gros tricheur. J'ai besoin de me concentrer, personne les gars, pour bien jouer. Captain Diabète. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va soigner, je pense. On va soigner. Constitue une certaine quantité. Les éléments négatifs. Octroi. Régénération accrue. Début de tour. Très bien. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Allez, c'est bon, on peut le soigner. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va mettre deux frérots à droite du terrain. Deux frérots à gauche. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai pas mal de boucliers. Ça va. Tu peux pleurer, tu sais. Il me gêne pas. Hop, saignement, il est mort. Totalement mort. Lui, il peut rien faire. Ils peuvent pas m'attaquer comme ça. Voilà. Vous êtes foutus. Bon, si, ils peuvent. Enfin, ils peuvent arracher le coup par contre. Pas le droit de retoucher. Ok, pas de soucis. Heureusement que je me suis crafté, les gars. Oh, il est terrible ce combat. Oh non, 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 non. Il est chiant, il est chiant. Aïe. Tes attaques ne font que renforcer okay. ma lame. Bonne nouvelle, tout le monde. C'est mon tour. Oh là là, putain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Supprime les effets. Ah, boum. Non! Pourquoi tu fais ça? Putain, c'est terrible! Oh là là, mais il va toujours trop loin! Fermez les yeux, les enfants! Le clown va aborder une situation pour adulte! Ok. On va faire cette attaque. On va se mettre ça au milieu se passe du terrain. Comme je l'avais prévu. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Là, il y a un gros souci, là, les gars. Il n'y a que ça. Ah, c'est bon, il est mort. C'est bon, les mecs. Plus de peur que de mal. On est bien. C'était chaud, les gars. C'était chaud. Hein.
Ok, ADN récupéré, ça c'est plutôt cool. Putain, ça donne pas beaucoup d'XP hein, par contre, hein, c'est un petit peu terrible. Allez, régale-moi. Ah ouais, c'est la deuxième fois qu'on vous met une raclée. Vous ne valez rien sans le nouveau, et vous le savez. Le nouveau, mon offre tient toujours. Je te dois toujours un service, alors si tu veux faire partie d'une vraie franchise, appelle-moi. C'est ça, vous êtes DC Comics, nous on est Marvel. Sale enfoiré, vous avez Zack Snyder pour faire vos films. Hey, tu feras un bon agent PC, toi. C'est comme ça qu'on prend l'ascendant sur ces enfoirés en cas de micro-agression. Retrouve-moi au pub. Je crois qu'on peut discuter de ta race et ton ethnie, maintenant. Ah, direction le pub. Je l'aime bien, lui, c'est le frérot. On va y aller, les gars. Et de ce pas... Attends, on va récupérer un maximum de trucs, là. Je sais pas ce qu'on peut récupérer, d'ailleurs, là-dedans. Pas grand-chose à récupérer. Peut-être ça, non, même pas. Non. Un balai à chiottes, non, à la foot. On peut continuer, peut-être celui-là, boys. Ok. Y'a rien. Strictement rien. Même à récupérer, y'a que dalle, les gars. Ah, y'a 6 genres, d'accord. Ok. Boys, 6 genres et girls. Ok, très bien, j'ai compris. Oh, bah. Attends. Quelque chose à faire par ici. Mon instinct d'araignée me dit qu'il y a quelque chose à faire par ici. Mais j'ai peut-être pas encore le pouvoir. J'ai même sûrement pas le pouvoir. Oh, attendez, on est dans une nouvelle partie de la ville, là. Je suis où, les gars? Ok, on va devoir utiliser une TP rapide, hein, parce que là, c'est terrible. Yeah, je suis jamais venu ici, les cinémas et tout. Oh, bah, on va visiter tous les endroits qu'on n'a pas fait, les gars. Hein. Ça, tu t'en doutes? Ok, tiens, on va utiliser ça, si on peut récupérer une petite tenue. Correspondance trouvée, très bien. Elle est où, la correspondance? Ah, dur. Ce justicier nous a tous donné une raison de croire. Ok, correspondance trouvée. Elle est où? Ok. On va monter, on va tout récupérer là-haut, les gars. On fait les choses correctement. Vous me connaissez maintenant, épisode 14, on se permet de récupérer un max de tenues. Allez, c'est beau, ça. Ça, c'est fait. Recette couvre-chef à pointe. Oh là là, on va pouvoir se recréer encore pas mal de tenues. Et comment on fait là? Attendez, bougez pas. Ok, je peux l'appeler ici aussi. Pareil, au décollage. Allez. T'as vraiment dans ce domaine. Ça, c'est le Kun hein, qui m'a laissé tout ça. Effigie de la lune, artefact 66. C'est pas mal du tout. On peut redescendre calmement, les amis. On peut redescendre, on va récupérer pas mal de choses. Là, je pense qu'on a toutes les correspondances en termes d'amis qui vont nous permettre de nous débloquer peu importe la situation. Et toute cette année, on l'a pas faite. Il va falloir la faire. On va pas perdre trop de temps là-dessus quand même. Freeman Stakos, on n'a jamais été à droite du Freeman Stakos, il me semble. C'est la première fois que je vois les cinémas. Ton précieux système financier international va être réduit en cendres. Ok, bon, on va le laisser, les gars. Il est dans un délire. Allez, direction. Quelqu'un a demandé un voyage express. J'ai demandé direction le Crunchies. On va aller là, tout simplement. C'est parti. Allez, on est parti, direction Crunchies. Tu veux le calendrier signé des filles du réseau, on va pas s'occuper d'elle. Les filles, vous inquiétez on pas. On a un rencard. Je reviens bientôt, il y a aucun souci. Là, c'est une histoire de micro-agression avec le frérot. J'ai hâte de voir ce qu'il va m'apprendre. Je suis sûr qu'il va m'apprendre des choses en plus. Oh, attendez. Là, il y a forcément des trucs. Ok. Super, j'ai créé une explosion, mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien pour le moment. Très bien. Ok, c'est ici, hein. C'est ici. Allez, c'est parti. T'as vraiment du potentiel, toi. Je suis heureux que tu sois là. Maintenant, discutons un peu de ta race et de ton ethnie. Déterminons qui tu es vraiment. Amérindien, asiatique, blanche, hispanique, ok, latino, noir. D'accord. Blanc. Ok. Albanais, américain, arabe, arménien, bulgare, chinois, croate, danoise, estonienne, ok. Ouais, on va faire ça. Eh, on est américain, nous. Ouais, on est américain, on va pas se mentir. La race et l'ethnie sont deux choses très différentes. Attends. Joli, c'est ton parcours aux multiples splendeurs.
Okay. Racipni, mais ça apporte de l'XP. Allez, niveau sup, les gars. Ça, c'est cool, par contre. Emplacement épique. On va pouvoir se régaler, à mon avis. Tu vois, c'était pas si dur, hein. Maintenant que t'as pu te définir, tu peux faire payer les gens qui ne t'identifient pas correctement, toi et d'autres. Je suis ravi de te connaître un peu mieux, tu sais. Maintenant, va botter des fesses. Bon sang, ah, c'est pas mal. Je ne trouve pas que ce justicier soit un bon exemple pour les jeunes. C'est pas mal du tout. Ça fait que, vu que j'ai mis américain, si quelqu'un fait une micro-agression de type asiat, il y a moyen que je l'arrache. Choisir une autre race ou ethnie, très très bon ça. Ok, et il y a un petit truc qui m'a interpellé, les gars, c'est le système d'artefacts, forcément. Parce que j'ai un nouvel emplacement et en plus épique, ça c'est plutôt cool. Au lieu d'augmenter les bonus d'équipe, la plupart des artefacts épiques offrent des capacités uniques. Équipe un artefact épique. Ok, End Spinner, c'est quoi ça? Strictement réservé aux agents Kun Elite. Débloque le pouvoir d'artefact épique doté d'effets de combat. Ok. J'ai qu'un End Spinner. Très bien. Très très bien. On va pouvoir sortir, je suppose. Et on va attendre notre prochaine mission. Aux amis du Krul, on a toutes les infos dont on avait besoin et on est prêt pour la prochaine mission. Tout le monde doit venir au repère du Krul. Terminé. Allez, donc direction le repère du Kun. On y retourne, les amis. On va voir un petit peu ce qu'il nous voit à ce sujet-là. En tout cas, là, on fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Mais c'est pas pour me déplaire, étant donné qu'on avance super bien en seulement deux épisodes. C'est plutôt cool. Une table pour un. Hop, on fera le combat. Et faut que je m'occupe d'elle. Hein. Je m'occupe d'elle un petit Attends, peu plus tard. Attends, t'as peur de nous? Allez, vas-y, Quelqu'un c'est parti. Quelqu'un a demandé un voyage express. On va directement voir le Kun. Niveau 235, on y est, on est dans les levels, il n'y a aucun souci. Faut filer vite. Quoi? Ouais, sérieux, elle est venue m'agresser pendant la cinématique, c'est quoi ces conneries? Quoi? C'est nouveau. Oh là là, mais on est des machines, on a counter le game. On a totalement counter le game, les gars. C'est incroyable. Elle était venue m'agresser, puis elle est repartie. Ok, il n'a pas encore changé mot de passe. C'était quoi déjà? Trouve. Allez. Une réunion, les gars. Te voilà. Eh ben, t'en as mis du temps. Assieds-toi, Trouduc. Très bien, tout le monde. Trouduc a interrogé Glacy et il a découvert que la piste suivante était où Youstorit, ici, en ville. Il faut s'y infiltrer ce soir. Ça peut pas se faire. Pourquoi, Moustique? Parce que l'entrée de Youstorit est en lave. Entièrement en putain de lave? Merde! Il doit bien y avoir un moyen de passer. Y'a... boîte à outils. Boîte à outils? Qu'est-ce que cet enfoiré vient faire là-dedans? Il y a un appareil qui dégage la lave, tu te souviens? C'est un de ses super pouvoirs. Hé hey. Et boîte à outils a dit qu'il devait un service au nouveau. Eh ben, on dirait que tu vas de nouveau nous servir, Trouduc. Super Kai, envoie un email anonyme à boîte à outils. Dis-lui que le nouveau souhaite un retour d'ascenseur. Tous les autres, rentrez chez vous et au lit. On se retrouve au Youstorit ce soir. Au lit, tout le monde. La bande est sur l'affaire. Rentre chez toi, Trouduc. Si tout se passe comme prévu, boîte à outils te retrouvera plus tard. Mais prudence, c'est un faux cul, un traître renifleur de Dash. Retirez le costume, oui. Ça y est, les amis. Direction le soir, on est tranquille, on est sans costume. On est en tenue classique, finalement. Direction la maison, on va se coucher, les amis, et on va ressortir ce soir pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 15, me semble-t-il, cette fois-ci. Je n'ai pas fait l'erreur. N'oubliez pas de jeter un commentaire. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Et ciao, ciao.